entre deux arrive avec Rudy Gobert. C'est parti pour la longue. Le shooter, Melih Mahmoud-Oglou. Succession d'écrans sur la ligne de fond. Vous l'attendiez, le voici. Il s'est fait attraper, Evan Fournier. Hassan Ilyasova, hein, autre joueur NBA. Des box de Milwaukee qui ne jouera pas. Et voilà, une belle note pour Adrien Moerman. Sur le pick and pop, l'écran et s'écarter. 40% de réussite à 3 points. Laissé au Turc. Ça commence à compter là. Problème de communication là en défense. Et c'est puni. Ouais, problème de communication sur l'écran. Et pour les fans de. Hugo. Écrans pour shooter. Oh, il est insatiable. Et on est puni. On peut pas le laisser, il faut. Non. Rudy Gobert qui arrive lancer avec le contact. Et il arrive à conclure. Course de Rudy Gobert, entraîneur. La finition avec la faute. Un retour en bleu tant souhaité, hein, Stephen. Et quelle arme de dissuasion massive. Il a changé de dimension. Attention, bras en l'air. Oui, pour l'instant on est puni. Sur le tir longue distance, la Thomas Hurtel, bras en bas. Dion et Rudy Gobert est affamé. Hurtel, ça va vite, Moerman. Jardin. Et c'est dedans. Le jardin à Momo, le corner. Pour la Berry à 3 points. Un peu long, Vincent Poirier au rebond. Et oui, le meilleur rebondeur de l'Euroleague. Avec son meilleur pote, Louis Laverry, l'ancien duo du Paris de Valois. New York Knicks, à l'heure actuelle, encore un joueur NBA sur le parquet. Première sélection pour le nouveau numéro 1. L'équipe de France, et ben voilà, quel travail. On le sent très très sérieux, très appliqué, très revanchard, Franck Ntilikina, et quel service pour Poirier. Ouais, magnifique, hein. Entre en jeu, on mène de la confiance. Pick and roll merveilleusement exécuté, ça fixe le grand. Et cette qualité de rouler vers. Sidi Osman, il n'est pas venu pour faire semblant. Sidi Osman joue tous les ballons. Attention, attention, la communication. Ah oui, là. Hurtel encore. Qu'est-ce qu'il est offensif, Thomas Hurtel. Agressif, balle en main. Et il va se régaler, non ça. Et nous, alors, on n'est pas très loin. On va pas être très loin. On va pas être très loin. Oh, le service ! Oh, les marteaux sont là aussi en août ! Il est dans le corner et ça tombe dedans ! Belle entrée ! Belle entrée ! Oh, le contre qui est arrivé un peu trop tardivement. Et Garrard s'est fait plaisir à l'intérieur, faute de Vincent Poirier. Équipe française. Il va falloir un peu de soutien du public également. Paul Lacombe. Vincent Poirier qui poste. Ah, sa spéciale. Voilà. Première initiale. Et c'est fait. C'est Diosman. 10 points en première période. C'est Diosman qui travaille. Bien plus mobile que Vincent Poirier. Un schéma qui nous fait souffrir. Les ailiers de formation qui se décalent sur le poste d'ailier fort sont pénibles. Et la belle réponse d'un autre ailier fort, Adrien Moerman. 3 sur 3, 3 points. Et il y a une claquette manquée, Vincent Poirier qui relance sur Fournier. Albici, il l'a vu à gauche. Bien joué. Bien super joué. Bien joué. Est-ce qu'il a progressé aussi Vincent Poirier à ce niveau-là sur la qualité de passe, la lecture de jeu. Korkmaz avec Arar. Hop, on a provoqué le changement défensif. Il va prendre un petit peu de. L'espace pour jouer Vincent Poirier, André Albici qui décroche une aide et on est puni. Et on est puni. Mauvaise initiative. Price qui a corrigé. Et on le répète, il n'y a eu aucun scouting de fait sur cette équipe turque.
On joue à l'aveugle. C'est un chenapan quand même, ce Paul Lacombe. Qu'est-ce qu'il adore traîner comme ça derrière le panier sur la ligne de. Et Andrew qui réclame le ballon. Il reste 5 secondes. Il va se retourner. Il va le poigner. Hop là, main gauche, tranquille. 17 points turcs sur les 14 ballons perdus par les Français. Franck Ntilikina encore, peut-être ses premiers points. Allez, hop ! Voilà ce qu'ils ont recherché très souvent avec Rudy Gobert, cette passe. 3 passes décisives pour Franck Ntilikina. C'est bien ressorti ça. Allez, Roman. Eh ben, il aura l'effort. Récompensé, Franck Ntilikina, Moerman sur la transition. 2 plus 1. Pour Adrien Moerman. Ça part de Franck Ntilikina. Au combat, tous ces ballons morts. Un peu plus fluide que ça. Il va s'occuper du reste, Tom Hartel, sur la fin de possession. Ouais, ça circule bien et Batum. Voilà, deuxième tir seulement de la rencontre pour Nicolas Batum. Et les joueurs tunisiens qui joueront la Turquie au Palais des Sports de Pau. Oui, c'est compliqué d'aller au duel avec ce garçon-là. Il s'est dit, je vais mettre le corps, je vais jeter le ballon. Sur un malentendu, ça peut rentrer. Et finalement, punis une nouvelle fois. C'est vrai qu'on a pas mal de joueurs français sur la conférence, notamment. Ouais, ça tombe dedans. Ils ont quand même une sacrée vitesse d'exécution. Un adversaire solide pour les Bleus. Et on le voit au niveau du score, c'est serré. 10 minutes maintenant pour enflammer le Palais des Sports, Stephen. Arslan à 3 points. Ah bah ce sont les Turcs qui enfrappent plus tôt. À 3 points, le système pour le shooter, Nico. Rebond de Tuncer. Versen à 3 points, encore un, et ça tombe dedans, ils sont chauds bouillants de loin. France. D'ailleurs, si vous passez par Bordeaux, il reste au là. Il y a une bonne petite rôtisserie au centre-ville de Bordeaux. Bah, vaut mieux qu'il amène l'eau là pour éteindre les Turcs. Jamais facile de se faire coincer comme ça dans les coins. Evan Fournier à 3 points, plein axe, c'est parfait. Bien sûr, Bord Champagne. C'est lui qui l'a vu. De gauche Balbaï et rebond offensif. Ça fait mal tout au long du match aux Français. Et Korkmaz qui met à 3 points derrière le joueur des 76ers. On leur a donné 11 rebonds offensifs alors que ça doit être notre force, la raquette. Ah puis ils nous ont dit merci, hein. 48% à 3 points, encore un ballon intercepté, c'est Diosman à l'arrivée. Vincent Collet qui arrête le jeu. S'envole. Vincent Collet qui arrête. Le spin move de Thomas Hurtel. C'est statique. C'est l'isolation pour Fournier. Et ça passe. C'est le talent individuel là. Fournier qui cherchait la faute à 3 points, c'est manqué. Ça a été français, ils vont subir une IRM pour voir. Hurtel à 3 points, c'est 2. On joue pas. Et la